c'est une nouvelle journée qui commence avec une bonne tasse de ricoré. Bon, alors, salut à tous les amis, ici Chamallow de la chaîne Epic Crafting. Et donc ici, nous nous retrouvons pour la suite, du walkthrough de Pokémon Rouge Feu. Donc, on est à l'épisode 17, et on vient de battre la Ligue Pokémon, ici. Donc, on s'est retrouvé ici, à parler avec avec le professeur Shen, qui nous a modifié notre Pokédex. Voilà, pour nous injecter un Pokédex national, un peu bizarre d'ailleurs, mais en fait ce Pokédex va nous permettre de rencontrer des Pokémon de la seconde génération et de la troisième génération, à savoir les Pokémon des versions or, argent, cristal, et puis troisième génération c'est, oh je sais plus ce que c'est Saphir, Émeraude et Ruby, voilà c'est ça, donc deuxième et troisième génération c'est ça, donc on se rend à on sera à Cramoisil, voilà. Donc, on va être dans le centre Pokémon et parler à ce mec avec une mèche, là, qui s'appelle Léo. Alors, après, on lui dit oui. Voilà. On prend le bateau. Zouhou! Voilà. On se retrouve sur une île. Magie. Donc, on va voir son pote, là, qui est en train de trafiquer. Voilà. Voilà, il parle beaucoup, c'est cool. Il nous donne une météorite, un tripasse. Et après, on peut aller dans les autres îles. Tadam! Aïe, je me suis pris un panneau. Donc, on va dans les autres îles par ce biais. Alors, on va d'abord aller sur l'île numéro 2. Voilà, zou. On va aller dans le casino. Enfin, le casino, je sais pas si c'est un casino, c'est un truc pour jouer, je sais que c'est ça. Mais... Bon, faut parler au mec, là, parce qu'il nous dit, ouais, ma fille, et tout. Et puis là, t'as un motard qui se ramène, un plouc, comme vous voulez, une racaille, je sais pas, qui se ramène, et puis on doit lui ramener sa fille. Alors, pour ramener sa fille, il faut aller sur l'île 3. Non, j'ai dit l'île 3. Voilà. Donc, pouf! Alors là, on voit plein de motards et tout qui foutent la merde de partout. Une petite grotte, avec un mec qui s'amuse à creuser. Attendez, on va chercher s'il y a des objets, tiens. C'est une bonne idée, ça. Alors, cherchons des objets. Non, il n'y a rien. Et là, il n'y a rien. Sur la plage, il n'y a rien. Il n'y a personne qui fait tomber des montres, des trucs comme ça. Alors, voilà, il y a du blabla, il y a une bande de motards qui est en train de se... Bon, voilà, après on les affronte, ils sont vraiment pas forts, comparé à nos Pokémon à nous, qu'on a gentiment entraînés. Alors, pour les battre, hein, franchement, il y a rien de compliqué, de toute façon, ils viennent à plusieurs, clin d'œil, ils viennent à plusieurs, et puis voilà, ils vous attaquent à la suite. Mitra point, ouais! Ça serait bien s'il y avait Mitra point. Donc, on continue. Je vais leur coller une grosse bifle et puis après, bon, on y va. Donc, on continue. Je dis ça à chaque fois ou quoi? Oh non, il m'a empoisonné, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mourir! Enfin, je sais pas, mais en fait, oh merde, j'ai l'impression que je vais vraiment mourir, c'est, je sais pas pourquoi. Ah d'accord, c'était un loupard. Ok, bon. Ok, il se barre, c'est cool. Ta-ta-ta-ta. On se soigne à la maison. On parle, voilà. Ouais, il nous donne un truc. Là, il y a une petite Pokéball, mais je sais pas comment l'avoir. Comment on fait pour l'avoir? Bah, on passe par derrière, je suis con. Donc, ah ouais, mais faut cut. Fou là là. Bon, je vais la prendre, hein, j'ai pas le choix. Je vais la prendre à la place de synthèse. Voilà. Donc, très beau comme ça. Allez, on y va. Ta-ta-ta-ta. Ouais, j'ai trouvé du zinc. 4900 Pokétunes dans la poche. C'est une bonne idée. Donc, il y a quelque chose ici aussi, je crois. Je le savais. Voilà, pépé up. Oh, yes! Ça, par contre, je le garde. Oh, ça, je le garde, je l'utilise même. Donc, pépé up, je vais l'utiliser sur qui je peux utiliser? Sur Kadabra. Pour Psycho. Voilà. Alors là, il y a des petits Pokémon, niveau 30, 40. Voilà, t'as des petits dresseurs aussi, pas très méchants. Des petites filles aussi, pas très méchantes non plus. Elles ont pas d'intérêt, de toute façon. Donc, voilà, on leur sort sur la gueule, au pire. Hein. C'est rigolo. De surfer sur la gueule des gens. Donc. Merde! Je viens de me rendre compte qu'en fait, je vous ai pas encore expliqué comment j'avais mon multi-XP. Bon, je ferai un épisode spécial à ce sujet. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Donc, on continue. Avec une belle aroma. Ouh. Donc ouais voilà, c'est les aromas, elles apparaissent. Je crois qu'elles apparaissent dans la troisième génération avec Saphir, Ruby et tout là. Il y en a un peu partout d'ailleurs. C'est des personnes qui jouent plantes en fait, voilà. Ils jouent Pokémon plantes. Donc
Une petite baigneuse, voilà. Une autre aroma, bien mignonne, comme d'habitude. Donc, ouais, voilà. Alors, on continue. Ta-ta-ta. Donc, ouais, voilà, il y a pas mal de dresseurs, mais qu'est-ce qu'ils me font chier? Alors, attendez. Paralysie. Voilà, c'est ça. Ta-ta-ta. Donc, on rentre dans la forêt. Et puis là, il y aura pas mal de trucs, voilà, des trucs comme ça. Et puis, il va falloir aller chercher la petite fille. Donc, on coupe des arbres. On déforeste. Enfin, y a du boulot, c'est sûr, hein, mais on déforeste quand même. Oh, une petite Pokéball, c'est pas grave, je m'en fous. Oh, un Orchid. Orchid, évolution de Misterbe. Donc, voilà. Et qui évolue en Rafflesia avec une pierre plante. Ok. Aéromite, on s'en fout, voilà. Hop. Donc là, on trouve la petite fille. Et on va devoir se battre contre un Pokémon, si je me souviens bien. Donc, hop, hop, hop. Oh, un Pokémon, au secours. Hypnomade, évolution de soporifique, donc c'est pas la peine de le capturer. Ne vous faites pas chier à le capturer. Voilà. Hop, donc on nous donne une baie, on rentre à l'île 2, c'est trop cool. Voilà. Il nous donne une météorite. Yes. Yes, yes, yes. Ici, t'as un mec qui pourra nous apprendre des capacités, je crois. Contre des petits champignons. Alors, ne me demandez pas ce qu'il va faire avec ces champignons, on le sait tous. Voilà. Donc, on retourne à l'île 1. C'est l'île 1, ça. Ouais. Donc, centre Pokémon, voilà. Hop, il nous dit, ah, t'en as mis du temps, voilà, hop. Et puis après, on est riche. Enfin, on est riche. Ça y est, on rentre à la maison, c'est cool. Alors, on se retrouve là planté comme des cons. Alors, ce que je propose, c'est que je vous montre l'endroit où est-ce qu'on prend les multi-XP et puis les pièces ruines. Donc, pour ceci, il faut vous rendre ici. Ah, c'est la Dopole. On y va. Ta-da-da, 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 ta-da-da. Donc, on monte à l'étage par là. Et on parle au mec avec les lunettes, là. Voilà. Et puis après, il nous donne la pièce ruine. Ensuite, pour le multi-XP, il vous faut aller dans un endroit similaire qui est à Parmanie. Ici. Enfin, ici plutôt. Voilà. Donc, on monte à l'étage, on parle au mec à quatre yeux. Et puis, il nous donne de l'XP. Enfin, multi-XP plutôt. Et puis voilà. Tout simple. Easy comme tout. Easy comme tout, 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 tout. Alors, où est-ce qu'on peut aller maintenant? On va aller à Carmin-sur-Mer. Carmin-sur-Mer, c'est la ville portuaire locale, quoi. Là où vous avez pris l'Océane, si je me souviens bien. Oui, je m'en souviens bien, très bien. Voilà, donc il nous propose d'aller sur une île et tout. Et puis après, bon. Voilà, donc on va sur la première île et on se donne rendez-vous au Mont Braise. Alors, partons, partons à l'aventure. Da-da-da. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des objets ici? Non. Un petit miaouss pour changer. Là non plus. Oh, un rapace d'épic qui est l'évolution de Piafabec. Oh, un Ponyta. Enfin, le fameux Ponyta dont je vous parle depuis si longtemps, qu'on n'a enfin l'occasion de capturer. Et merde, il va falloir que j'aille acheter des hyperboles. Alors, vous m'excuserez, mais je rentre à la maison. Encore une fois. Donc, toi tu voles. Je sais pas s'il y a des magasins ici. Il n'y a pas de magasin. Il n'y a pas de magasin. Je vais péter un câble à la maison. Voilà, donc. Je veux. Je veux. Je veux. Alors, on va aller ici. Acheter tout ce qu'il faut. Demander au gentil petit garçon. Voilà. Alors, donne-moi toutes tes putains de balles, enculé. Et puis, voilà. Donc, c'est bien demandé. On retourne à Carmin-sur-Mer. Et puis, on prend encore le bateau. Ta-da-da. Wow, il se prend pour qui là? Donc on continue, tout tout tout. On se balade sur l'eau comme ça. Je voulais pas me battre contre elle. Je l'aimais bien moi. Donc, Pikachu, Miaouss, tous les Pokémon bien mignons, quoi. Vous voyez le genre. En plus, elle a même deux Miaouss. Si ça fait des enfants, je vous dis pas la galère. Ça m'étonnerait que ça en fasse de toute façon. Donc. Petit cocoque, ok. Ouais, un petit bonhomme. En mousse, pourquoi pas. Foufoufou. Oh zut. Bon, c'est pas grave. Et ratata. Ok. Bon bah en fait, il n'y a que des Pokémon qu'on connaît pour l'instant. C'est pas grave. Ça nous change pas d'habitude. Donc, on se colle derrière la jolie fille. Voilà. Pas pour regarder ses fesses, mais juste pour éviter de se battre avec elle. Mais en fait, non, on peut pas passer parce que je voulais récupérer une Pokéball, mais
Donc ici, il y a un couple qui va nous donner pas mal de fric, enfin un bon endroit où on peut utiliser le cherche VS. Donc du coup, bah moi je vous le conseille parce que c'est vraiment un bon endroit quoi pour bien faire monter de niveau nos Pokémon quoi du coup. Et en plus, il donne plein de fric. Donc voilà, si on se fait choper par un, bah t'as l'autre qui va vous choper aussi, c'est ça le problème. Mais bon, c'est pas grave. Ça nous fait de l'XP. Après tout, faut bien gagner sa vie, hein. Donc on continue, on continue. Toto, Solar Beam, ok. Nom de chieu. Nom d'un chien, mais nom de dieu. Voilà, c'est les deux. Alors, comment je pourrais me soigner déjà? Est-ce que j'ai des super potions que j'en ai? Bon, c'est nickel. On y va. Oui, on va dans la grotte. Alors, dans la grotte, où vous rencontrerez un vieux papy qui va vous donner la CS Éclatroc. Magnifique. Ça va permettre de casser des petits cailloux. Comme si c'était du verre, qu'il dit. Enfin, je crois. Dans la version française, il dit comme si c'était du verre. Alors, ceci explique cela. On va l'apprendre à Bulbizarre. Enfin, Bulbizarre. Donc, non, ça sert à rien, Zénith. On le vire. Allez, hop. Donc, il a maintenant Éclatroc en sa possession. On va pouvoir aller récupérer les petites Pokéballs qu'on a oubliées sur le chemin. Voilà. Je tiens à préciser que dans les trucs qu'on peut éclater, il peut se trouver des Pokémon. Donc, oh merde. On peut trouver des Pokémon, donc faites attention. À pas y aller avec un petit Togepi niveau 1. Voilà. Non, ça n'existe pas niveau 1. Si, peut-être dans d'autres versions. Bon. Ouais, j'ai trouvé un truc qui se vend cher. Super. Et ici, il y a quoi? Il n'y a pas des Pokémon ici. Bon, ça va. Alors, pas de truc. Voilà. Alors, il faut aller chercher notre petite Pokéball. Voilà. Oup, oup, oup. Ouais, en fait, j'aurais pas dû y aller en surf. Bon, c'est pas grave. On y va. Attendez, il y a peut-être un objet, non? Bon. On continue vers le haut, vers le nord. Voilà. On se bat 2, 3 fois contre des gens. On se bastonne un petit peu. Baston de saloon. Comme on les aime. Donc, on continue d'avancer. Est-ce qu'il y a des objets? Non, il n'y a pas d'objets. Donc, on est au Mont Braise. Enfin, le Mont Braise où vous pouvez capturer le légendaire Sulfura. Alors, on va essayer de le capturer vite fait. Vitesse max. Hop. Oh non! Oh non! Oh non, un Chétiflor. Donc oui, voilà, le Chétiflor, on peut pas le capturer dans Rougefeu, hein, je précise. Donc c'est pour ça que je savais pas où est-ce qu'on pouvait le capturer d'ailleurs. Paye ma modestie, s'il vous plaît. Alors, la guérison. La guérison. La guérison. Où est-ce que j'ai mis mes 103 guérisons déjà? Ici. Putain. J'en ai acheté trop pour rien en fait, ça me dégoûte. Alors, est-ce qu'il y a un truc ici? Ah non, plus haut. Bon. Ouais, je casse les... Oh putain. Ouais, bon, voilà. Le genre de Pokémon que vous pouvez rencontrer en cassant des objets. Des cailloux. Alors, on va changer de Pokémon un petit peu pour changer. Voilà. Noitois. Ok, donc on récupère l'objet. Et on s'aventure dans le Mont Braise. Magique. Donc là on peut casser un peu tout, mais bon je vous déconseille. Ici on va pouvoir rencontrer un nouveau Pokémon qui s'appelle Limagma. Donc Limagma c'est une limace de lave qui est du type feu et qui évolue en Volcarapode. Ouais je crois que j'ai bien dit. Volcarapode et puis du coup bon voilà quoi. Alors le Mont Braise, attendez. Ouais voilà, faut continuer de monter, hop. Donc ici il y a un petit casse-tête chinois. Tout tout tout. Ah mais non en fait c'est pas ici, j'ai rien dit. Donc on se fait vite fait le Sulfura et puis après. Oh bon, par contre j'ai bien peur de devoir quitter un petit peu. Mais bon maintenant vous avez l'habitude, ça vous choque plus, donc je peux y aller. Donc cut. What the cut? Non, je peux pas le plager comme ça. Donc on essaye de l'affaiblir comme on peut. Ouais. Je sens que je vais galérer. Je sens que je vais galérer. Je sais, je vais y aller au feu. Voilà. Donc maintenant qu'il est bien affaibli, on va le touk. Bon, on va essayer, hein. Alors, on essaye. Hyperball, on y croit, ta ta ta. Moi j'y crois en tout cas, même si je sais que c'est un peu impossible, hein. La dernière fois pour le Articonin, j'ai dû mettre au moins une demi-heure pour le capturer.
Oh, c'était bien galère. Même avec les cheats, c'était. Enfin, les cheats. Même en trichant, c'était galère. Donc bon, pour tout vous avouer. Je veux le sulfura. Ah. La dernière fois quand j'avais demandé gentiment à Elector, et eh ben il était venu. Mais pas sans résister, hein, mais voilà, il était venu quand même. C'est déjà ça. Alors que là, bon, je suis déjà à ma 10e balle, j'ai bien peur de devoir toutes les gaspiller. Allez, courage, courage. Non, oh, oh putain, en fait, il me fallait un assécateur, parce que un assécateur, ça avait une attaque spéciale, qui aurait pu me permettre de le capturer beaucoup plus facilement. Mais bon, vu que je l'ai pas. Oh merde, j'aurais dû prendre l'eau classe aussi. Oh bah non, c'est bon en fait. Ça y est, je l'ai eu. Donc voilà. Donc ça c'est fait. J'y ai pas passé la journée, je suis content. C'est la première fois. Alors, tout 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 tout. Enfin non, pour le Articodin aussi, jusqu'à ce que j'utilise ma Master Ball. Donc bon. Bon bon bon. J'en étais où? On continue. Donc on continue de. Voilà. On va aller à l'île 2. Et se quitter là-bas d'ailleurs parce que c'est bientôt l'heure déjà. Oh là là, qu'est-ce que le temps passe vite quand on s'amuse. Mais je devrais être rentré depuis longtemps. Rentrons. Ou alors, en courant, on pourrait y être plus vite. Ta ta ta. Tout tout tout. Donc, voilà, lui, il a un truc, voilà, tout tout. En fait, non, il n'y a rien à faire ici. Bon. Voilà. Je pense que là, ça sera bon. On va être ok, on va être carré. Alors, je vais vous dire merci d'avoir regardé la vidéo, même si elle était un petit peu plus courte que les autres. Disons que j'avais prévu du temps pour le Sulfura, et puis au final, ça m'a duré 1 minute et demie. Donc, j'en suis désolé. Mais bon, faut pas dire que ça vous arrange pas, hein, de toute façon. Donc, écoutez, c'est tout pour vous. Alors, je vous dis à la prochaine. Excusez-moi, j'ai du mal à parler. Donc, ça m'émue, en fait. Ça m'émue. Ça m'émeut de devoir vous quitter, mais... Je suis obligé. Donc, je vais vous laisser. Au revoir. Salut. Donc, ouais, voilà, salut. En fait, c'était le tournant de l'épisode. Bon, peut-être l'épisode 17. Souris.